Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléprovincial et de Jean-Aubert Jean-Noël TV. Une fois de plus, nous allons présenter l'émission Haïti Horizon 2054. C'est la première émission pour l'année 2024 là. Et nous tout dit tout le monde, bonne année 2024 et surtout bon courage et bonne bataille dans le cadre haïtien. Jean-Aubert, bonjour, comment est-ce? Bonjour, bonsoir Rénal, salut à toutes et à tous. Nous sommes bien contents et nous sommes en année 2024 là. Nous allons essayer de regarder ce qui j'en sais sur le plan international et sur le plan national. Mais nous remarquons bah, il y aura pas aller de mal en pis, de toute manière. Ce qui est important, notre job, nous, c'est essayer, dans la mesure du possible, analyser la situation et puis dégager des perspectives. Nous allons essayer de faire ça tant sur le plan international que sur le plan national. Sur le plan international, il y en a un bail qui a fait un pile parler, c'est guerre et Israël et Palestine. Et vous estimez près de 1% de la population palestinienne a tombé en bas d'armes israéliennes, qui plus de 25 000 morts, et en pile femme, en pile simone mourit. Et nous connaissons que l'Afrique du Sud peut en plainte comme génocide contre Israël. International. Et vendredi et samedi à 10, il y a des manifestations un peu partout dans le monde contre Gaza, qui a demandé pour Gaza cesser. Et nous avons chef d'Israël là tout, qui dit lui-même, tribunal international là, et pièce moun, pape café, rete Gaza, faut l'écraser et Hamas jusqu'à la victoire finale. Je vais qui ça, ou qu'on est. De situation ça. Bon, et on connaît, nous avons fait une émission sur ça déjà. Donc, on connaît que c'est une guerre qui est déclenchée parce que Hamas est massacré et puis pris en otage quelques Israéliens. Et il y a 1500 personnes qui ont disparu et puis qui ont kidnappé, pas toutes les 1500. Et il y a une représailles, il y a en représailles Israël. Et à partir de ce moment-là, et depuis là, depuis 7 octobre, arrivé jusqu'à aujourd'hui, la guerre entre Israël et Hamas là, vient supplanter tout ça qu'a fait pratiquement dans le monde. Il inclut la guerre en Ukraine. Et à date, il a dénombré près de plus de 25 000 mouns. Et du côté palestinien qui mourit, et parmi lesquels il y a un pile moun qui parle mamamas, il y a un pile civil, il y a un pile timoun, et ça vient de faire que Moussa fait le ressort tout à l'heure que un pays tant qu'Afrique du Sud et porté plainte pour Israël et auprès de la Cour pénale internationale et pour génocide et autres. Et je dis, hein, et guerre, ça, c'est une guerre qui. Il y a des conséquences très graves, non seulement au niveau d'Israël et au niveau de la Palestine, mais c'est aussi une guerre qui gagnait et qui entraînait les Américains avec l'Occident derrière Israël, et qui fait que d'un autre côté, on gagnait l'Iran et le Yémen et le groupe Hamas qui est financé par l'Iran, et puis il y a le Hezbollah aussi du Liban, tout le monde a eu la même camp et face à l'Occident. Et comme trafic mondial là, et en pile de bagages qui ont fait dans le trafic mondial là, il y a des gens qui parlent de plus de 70% du trafic mondial là passé dans la mer Rouge pour aller paraître dans le canal de Suez et pour aller en Europe et vice-versa. Ça vient créer un problème parce que les outils qui sont groupes type Hamas que les Iraniens ont financés, ils toujours attaqué bateaux, gros containers, apporter marchandises, apporter et pétrole et surtout laisser des gros containers qui appartiennent à l'Occident. Donc tout ça, c'est fait que il y a des attaques à faire et Américains et tout.
qu'il y ait des gros porte-avions français et puis avec et Britanniques qui sont dans la zone. Non? Donc, ils sont obligés à répliquer. Et ces derniers temps, tout avec des frappés fort les outils. Et ça a dérangé les Iraniens. Et nous craignons que, en situation comme ça, pas déboucher sur une troisième guerre mondiale. Parce que le positionnement fait que vous gagnez et des camps qui ont formé. Et ça a vu n'importe quel problème qui est plus grave puis devant. Et une conséquence qui vient qu'on y a ces jours-ci, c'est que toute marchandise qui est rentrée, sorti dans la zone Zao, qui va aller dans la zone Zao, vient coûter plus cher puisque c'est des transports par bateau. Et l'eau est passée dans la zone Zao à cause de l'insécurité qui vient sur la mer et toute la zone Zao, sur l'océan Indien. Eh bien, laisse qu'on vient passer juste en bas Afrique. Et laisse un trajet à une plus longue et marchandises vont coûter plus cher. Et ça a créé un phénomène d'inflation au niveau mondial et qui a gagné tout en phénomène d'inflation importée au niveau d'Haïti. Et le navire des gens, ben, COVID-19, là, côté inflation, parle, parce que le monde est censé camper. Au guerre Ukraine et la Russie, a tout, dans plusieurs émissions, nous démontrer l'impact qui gagne dans le monde, là, comment augmenter la vie. Et guerre Sadou, et au monde qui la maquette, déjà commencé, well. Dans prix, j'en prie, vient augmenter. C'est-à-dire, il a galopé. Aux États-Unis, au Canada, etc. Pour Haïti, ce n'est pas pareil. En nous regardant rapidement, on a passé sous l'Ukraine et la Russie qui vient là, normal, on y arrive. Mais, on a regardé les chanceliers allemands qui t'a demandé tout allié pour yo support en armes, pour yo par l'Ukraine, pour yo continuer bail, parce que yo pas d'armée, la Russie qui a victoire dans la guerre ça. Parce qu'il n'est pas bon pour l'alliance que vous gagnez. Donc, pas qu'on est qui soit qu'on est, et dans la question de guerre, ça. Bon, Gary, son mari qui vient d'entrer dans le paysage actualité mondiale là, depuis quelque temps, nous ne pas parler de lui. Ces derniers temps, ça nous rend compte, c'est que contre-offensive que l'Ukraine a menée depuis ETA, lui échoué, tout le monde d'accord, son échec lié. Même commentateurs occidentaux qui étaient très enthousiastes, qui ont parlé de la Russie qui a perdu, etc., l'Ukraine qui a gagné. On a commencé vraiment et très pessimiste par rapport à une victoire possible de l'Ukraine. Au contraire, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Et la Russie, qui l'a donné Basla, qui est une guerre d'attrition, et la frappe est très fort, malgré et il a perdu un peu le monde, mais il a essayé de récupérer quelques territoires. Mais nous garder les gains territoriaux des deux côtés, c'est pas débat qui est trop significatif, c'est comme si vous rentrez plus dans une sorte de stagnation. Mais l'Ukraine lui-même est affaiblie à cause de un pile blessé, un pile de soldats qui frappent et qui mourent. Donc, il fait que l'Ukraine commence à demander, insister auprès de l'Occident pour qu'on ait de matériel plus sophistiqué, et avions F-16 qui ont été demandés depuis longtemps. Il faut dire aussi que l'Occident, pas bail. L'Ukraine tout bas, il y a tant. Et avec la guerre israélo-arabe, pas d'israélo-arabe, israélo-palestinienne, excusez-moi, et israélo surtout Hamas, eh bien, ça veut dire que l'Occident plus concentré sur Israël que le concentré sur l'Ukraine. À ce moment-là, et Vladimir Poutine profitait de situation ça pour et grignoter quelques terrains. Et ça qui a passé là qu'on a, c'est que l'Ukraine lui-même tout, a développé une série de armes et lui-même pour le cas faire face à Baïsa. Il y a des drones qu'elle développait pour être 50 000 unités par mois. Et il y a tout des tanks de Baï et que lui fait tout, qui permettent de résister jusqu'à présent. Mais l'Occident commençait à penser très sérieusement si on pas appuyé l'Ukraine. Et il se pourrait que, au moins, tout au moins, dans la zone Donbass côté et dans la zone Crimée côté Vladimir Poutine ou bien la Russie fin gagne déjà, la difficile pour eux vraiment que l'Ukraine récupère.
Et ils craignent tout pour Vladimir Poutine, pas griller un petit peu plus sur le territoire ukrainien, malgré tout ça, le point déjà. Et tout ça, retour, va créer des problèmes à cause des pays qui, eux-mêmes, qui produisent en pile blé, en pile de produits agricoles, et qui utilisent la mer Noire pour évoluer ça dans le monde. Et ça, qui a fait des carences. Et parce que l'herbe fait guerre, il n'y a pas qu'à produire, j'en peux te rendre produit. Et en plus, produit, il n'y a pas qu'à sortir à cause de et la Russie qui occupe un petit peu la mer Noire. C'est ainsi que l'Ukraine a développé en série des armes, ça a les drones navals qui permettent d'écraser quelques gros bateaux et russes qui font écarter un petit peu plus de ports d'Odessa et qui fait que l'Ukraine est capable de voir quelques produits dehors. Mais on connaît tout, tout bas, ça a des problèmes. C'est que l'Ukraine prend pile frappe tout à distance et il y a pile monde qui mourit, il y a pile civils qui frappent. Et en général, chaque fin d'année, Poutine toujours essaie de frapper toute l'électricité, de l'eau potable, etc., pour faire les Ukrainiens gagner des difficultés. Les Ukrainiens commencent tout à agir de la même manière. Voilà la situation et ça a un impact sur le monde là. Et il y a un impact sur nous qui en Haïti, parce que bon, ça, c'est pas le fait qu'il y a une série de produits, et sur le plan international, produits alimentaires et autres, qui vont augmenter, et puis nous allons entrer dans un cycle d'inflation, et l'inflation importée, ça a et tout, frappé Haïti. Voilà la situation. Globalement, ça me connaît. L'intérêt est le mobile de toutes les actions humaines et c'est l'intérêt qui fait la guerre et qui montre le cynisme des dirigeants mondiaux qui pas d'importance à la vie humaine. Ouais, des deux côtés, du côté Israël, Palestine, surtout Moula Mouri, du côté Ukraine, là aussi Moula Mouri, la vie n'a pas presque de sens pour les dirigeants mondiaux. En nous tombant la canne aujourd'hui, 12 janvier 2024, là, ça fait 14 ans. Depuis, la nature déchaînée, est-ce que ce n'est pas ensemble de désordre, parce que là, on a parlé de 86 arrivé avec tremblement de terre là, ou ensemble de mesures, c'est de comportement, en d'avéria, où tu as l'impression que la nature dit, Mounzaïo n'a pas agi mal, pas me frapper. Pour qu'il n'ait pas servi de leçon au groupe Mounzaïo. Vous dites, regardez, les gens pas qu'à mourir. Et danger qui vient dans l'environnement, nous chita sous et du feu, nous chita sous situation, nous par contre, l'éclatement qu'a fait, en nous changer de comportement, en nous bon l'autre comportement, en nous faire politique différemment, en nous penser économie, en nous penser infrastructure, en l'autre genre. Nous regardons après 14 ans, Jean-Roubert, c'est comme si dirait pas d'aucune leçon que nous, Haïtiens, dirigeants, élites intellectuelles, élites économiques, lors de la situation pays à jour, je veux dire, nous n'avons pas d'apprendre aucune leçon et nous montrer que nous pas de mémoire. Jean-Roubert, comment on voit 14 ans après tremblement de terre là, situation pays. Bon, il y a un petit genre difficile pour me remonter le temps. Parce que je préfère référer Mounio à des à blog moyens, Jean-Robert Jean-Noël et J.R. Jean-Noël, blogspot.com. Il me dire qu'en série d'articles sur question de tremblement de terre, il me parlait tout de quantité de monde qui mourit, de quantité de dégâts qui fait. Et puis, il me parlait surtout de. Et de 31 mars, il y a un gros roumblé qui était fait dans les Nations Unies, qui a été promis à Haïti près de 10 milliards de dollars, et que il y a eu des questions parties là-dedans, mais heureusement ou malheureusement, c'est la communauté internationale qui t'a géré comme ça, parce que dit à Haïti, il y a trop de corruption, mais il y a un réseau social. Qui font un travail assez intéressant, après travail Raoul Peck t'a fait sous question de tremblement de terre là, pour montrer qu'en réalité, toute l'agence a été promettre là, l'empile qui est rentré, mais il n'est pas rentré en Haïti. C'est des ONG internationales, des institutions internationales comme là, où tout était là-dedans, parce qu'il y a des frais
de fonctionnement administratif qui est très élevé et qui fait que tu estimes qu'au moins, au nom d'Haïti, tu as 15 milliards de dollars qui t'est récupéré, qui t'est collecté au niveau mondial, mais malheureusement, pas gagné un pile comme ça qui dépensé en Haïti. Et on gagne tout, et nous-mêmes tout, nous pas gagné. Alors qu'au début du tremblement de terre, nous avons gagné en solidarité haïtienne qui fait une d'abord de l'autre. Et nous, avec peu de moyens, nous faisons un paquet de miracles. Et depuis, nous commençons à recevoir aide par l'intermédiaire des ONG, par l'intermédiaire des institutions internationales, par l'intermédiaire de nos amis, entre guillemets, de la communauté internationale. Eh bien, aide ça, yo aide nous peut-être. Yo aide nous pas peut-être, yo aide nous retirer fatra, yo aide nous retirer et poussière, tout bas qui est écrasé, yo aide nous. Fonds forme d'assainissement, mais le rester seulement au niveau d'urgence et au niveau de développement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Pourtant, les documents, pour une fois, c'est des documents très sérieux que j'ai analysés en profondeur. Et moi-même, tout, j'ai cru dans l'époque ça que Haïti va faire un redémarrage. Et que tout le monde va aller bien, au contraire, ça va de mal en pis. Et que, au lieu de nous servir à leçon ça, et parce que nous-mêmes, tout, c'était le président Préval qui était là, après ça, c'était le président Matéli, et c'était le président Jovenel, regardez tout dossier qui était gagné sur Haïti, des dossiers assez sérieux. C'est là ça devient avec cette histoire de refondation sociale, refondation économique, refondation et politique, et refondation et territoriale. Donc, les dossiers, c'est des dossiers assez sérieux, mais malheureusement, que nous fait que mettre en application la partie d'urgence avec les ONG internationales et les institutions internationales, mais la partie développement, la partie et même et la partie intermédiaire, nous ne pouvons jamais vraiment mettre en application et nous retournons dans le même tard, nous, côté depuis nous venons faire l'élection 2010, by Matéli. Et un pile problème, un pile bataille entre nous. Vin après ça, de Matéli, nous prenons Privé, et Privé, nous prenons Jovenel. Là encore, bataille à vin raide. Et jusqu'à ce que aujourd'hui, nous venons Ariel, qui l'a depuis presque 3 ans. Et au lieu, nous ne ferons pas en avant. Haïti vient plus mal avant le tremblement de terre. Là. Et nous n'avons pas avancé. Au contraire, situation, on y a. L'intenable, je me suis regardé long texte, je me suis écrit, je me suis dit, situation, ça, Haïti, pas j'aime vivre. En année comme ça, donc en année 2010, ça, et pour ça que tu es passé dans le pays, hein, mais on est à ça, on a vécu au quotidien, et qui, bah, nous, ça, nous avons là comme problème avec un exode d'un paquet d'Haïtiens bien formés, et même des Haïtiens de toutes catégories qui ont parti quitter le pays, hein, à cause des problèmes d'insécurité, des problèmes d'instabilité politique et des problèmes d'impunité. Donc, nous, vraiment, c'est une situation terrible. Et Haïti a parlé vraiment dans situation, par contre, qui j'en voulais relever ça, son descente totale aux enfers, et par contre, qui j'en a fait sortir dans situation. Et premièrement, je vous dis, la question de développement, ça ne va pas passer très vite. Même le nom pile document, ou toujours relater des informations, bah, bien traitées, et nous ne pas connaître que le développement de pays est endogène. C'est-à-dire ses propres petits pays, hein, avec ressources humaines, capacité de réflexion, capacité de vivre ensemble, puis résoudre un problème qui permet de faire développement pays. Et moi, je vous une vidéo ce matin. Matin, il y a qui dit un paquet de bagages. Il y a montré côté de la lumière rouge, il dit ça, naïf, lumière vers là. L'humain a toute lumière rouge là. Et nous connaissons que deux lumières, l'humain ensemble. Donc, dans la vidéo, tout, ouais, on côté qui vient marchand pas de chita là. Un petit chargé à marchand. C'est comme si dire, il y a une belle information, j'aurais me dit à Haïti, son pays qui développait dans les tiroirs, c'est-à-dire, document très bien écrit, mais réalité, c'est toujours l'inverse, nous fait. Et je ne veux dire, nous, Kaga des et immigration massive ça, vers les États-Unis, à un moment donné, Brésil, Chili, sont l'autre gros tremblement de terre, et m'a demandé si ce n'est pas plus puissant que tremblement de terre 12 janvier 2010, parce que pays, c'est le monde qui veut pays. Vous avez là, il y a toutes ressources là-dedans,
Mais c'est le monde qui vous développer. Là, tout le monde a quitté le pays, Jean-Aubert. Après aller, c'est un autre gros tremblement de terre qui frappe le pays. Vous demandez comment pays a fait à sortir côté lié. Et on nous a depuis près Jean-Aubert, question pile palais qui était faite sous canal. Wanamet, Casalmassa, bon, canal a fini fait. Est-ce que, d'après vous-même, impact positif ça gagne? Et n'a pas gardé tout, il y a des impacts négatifs. Pas qui ça nous a commencé, pas impact positif ou impact négatif. Bon, et pourquoi nous devons parler d'impact pour Canal là? Canal là, son bail qui est en construction. Nous gagnons des constats que nous faisons. C'est que bah, là, tu as commencé avec Mounio qui prend disposition et qui dit bon, le canal, ça, son canal, il y a 10 ans de la construire, pas jamais fait. Et que la nécessité, au besoin de l'eau, il prend disposition pour le faire. Et c'était paysan, yo, avec Mounouanamed, avec les Ferrier qui étaient pour ça, et puis tout le département du Nord-Est, et puis le pays entier entré derrière ça, et c'est un phénomène qui vraiment canalisé toute énergie haïtienne, et c'est ainsi que gagné des améliorations qui viennent faire au cours de route. Bah, au début, nous avons fait des émissions tout, pour nous expliquer que l'irrigation, c'est pas un bagage simple. Et ce n'est pas faire de l'eau courir dans le canal, mais il faut faire de l'eau courir dans le canal dans des conditions acceptables et il y a des ABC pour respecter. Et nous avons un pile conseil et nous avons expliqué que depuis une prise qui vient pour faire prison, et le canal tête motte là, canal principal, canal secondaire, canal tertiaire. Et nous avons dit que, et sous plan ça, a gagné une amélioration par rapport à début travaux, mais nous trop loin pour nous analyser en profondeur. Résultats qui commencent à tomber là. Même le regarder, il y a des images qui est assez belles, mais on connaît tout, le fond prise, il y a une série de précautions pour prendre, ou gagner des ouvrages, tout, ça veut dire les ouvrages de sédimentation qu'on mettait en tête, ouvrage là, qui pour, et bassin de sédimentation qui pour recevoir tous ces sédiments pour nettoyer à partir de pelles mécaniques, etc., ou à la main. Et puis, on gagne tout en aval, des précautions pour prendre. On gagne des bagages qui les parafouilles amont, parafouilles aval, on gagne canal de décharge, quantité de l'eau prendre dans rivière, par exemple, c'est on prend un mètre cube et demi par seconde et 1,5 donc, par seconde. Donc, à ce moment-là, on gagne et l'eau prend plus, il faut qu'on canal de décharge qui vous mène en aller. Donc, côté nous, il y a à distance, il y a aller très difficile. Pour nous et vraiment garder est-ce que tout le bagage est respecté, mais tout est-il, faut nous bah, au mérite, travail qui sort là, ça n'a pas gardé à travers la télévision parce que non loin, nous rendons compte qu'on a une grosse amélioration. Même les grands piles et tiers qui étaient faits au début, même dans le canal principal là, qui étaient faits en maçonnerie, il y a des fissures qui étaient pareilles et tout ça, c'est bah, qui m'a des corrections. Et je dis là, porte vanne, il faut remettre, et puis Gabion, il faut finir dans le niveau président. Donc, tout le c'est qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, il faut qu'il y ait des précautions qui prennent, qui pour corriger, il faut qu'il y ait des corrections qui faites. Et moi, je regrette infiniment que l'État haïtien, pas de jambes, enfin, le gouvernement haïtien, pas de jambes, mette tête ensemble avec le comité A, et vraiment pour qu'il fasse un travail Haïti, au lieu de ce comité A qui travaille. Et puis, en cours de route, il y a quelques techniciens qui portent un coup de main. Mais je pense que ça t'a permis de faire de meilleurs résultats et faire de moins de gaspillage, tout. Et techniquement, qui ont un travail qui est beaucoup plus agréable et qui respecte les règles de l'art. En tout cas, ça, moi, pas mal du tout. Et mais gagner des barrières qui sont visibles. Et ne serait-ce qu'au moment où tu as coulé le béton, regardez comment mélange en fait tout ça. Ça veut dire que gagner de failles que ou élevé en tant que technicien, leur regarder à distance. Mais tout le bagage, ça n'a pas qu'à juger trop parce que c'est leur sous-place, tu as fait une évaluation technique pour leur dire, mais que ça n'est pas bon, mais que ça n'est pas bon. Même penser que il y a encore tôt, il y a des bagages nous à corriger. Maintenant, qui impact qu'il y a encore sur le reste du bagage, il y a une sorte d'entraînement au niveau national. Il y a plusieurs côtés et ça sert de stimulant. Par exemple, regardez dans la zone des armes, il y a un canal qui a 50 ans qui n'est pas déjà nettoyé.
Il y a des gens là, Tibonite, qui rentrent dans le canal, qui nettoient eux pour être capables de servir avec eux. Et si pas de canal massacre, pas de tout bagage, et puis il y a des groupes tout qui viennent former, qui parlent de questions agriculture et qui conseillent des décisions et puis voir comment ils peuvent améliorer les questions secteur agricole là et qui font des propositions. Et tout ça, on nous pensait c'est canal massacre qui fait ça. Et même nous-mêmes tout, nous avons fait une série d'émissions et la émission ça, nous avons proposé une série d'actions qui pour faire au niveau secteur agricole là. Et nous t'ai dit fort, l'État haïtien prend un prétexte et de Canal Massacre là pour proposer et un document très sérieux dans le cas où tu as gagné une sorte d'intervention étrangère pour nous dire, mais qui pourra nous voulait aller avec le pays, nous, pour nous arriver à un niveau de sécurité alimentaire acceptable, pour nous atteindre 88% de souveraineté alimentaire à partir de. Et fait Canal Massacre là, nous dit bon, on nous prend tête nous-mêmes pour ne pas dépendre de nous encore. Mais malheureusement, et bon, et pas pour qu'on gagne, on est là dans ce sens-là qui pour faire nous prendre conscience, pour nous montrer un dossier sérieux, nous avons toujours été dans des problèmes politiques et nous-mêmes politisés causé Canal là, qui vient fait que le gouvernement qui est en place là, pas jamais arrivé, Chita avec Moun qui soutenait eux, qui ont même tout gagné des. Et moun qui profitait de ça pour parler de politique, pour parler de d'autres choses, mais qui parle sur canal là parce que vraiment, il y a besoin bah, de faire mieux, mais juste pour cas et goumer avec la présence Ariel qui est là, etc. Tout ça, c'est des problèmes très sérieux qui m'ont dit que, même penser que l'important pour nous a prendre canal là et surtout résultat côté rivière là, aujourd'hui. Hein. Et pour nous servir avec lui, et puis pour nous faire des débats sérieux pour Haïti, parce qu'il y a possibilité pour nous corriger ça mérite de corriger, continuer canal principal là, continuer avec canal secondaire, canal tertiaire, faire drain, parce que selon zone marécageuse, où on va gagner trop de l'eau qui vient chuter en bas, plantes, qui vient faire, on va pas grandir, on va pas résultat, le canal l'a fini net. Donc ça veut dire que, un gros travail qui peut faire d'organisation, qui peut aider mon tout pour bien gérer. Système d'irrigation, ça, qui pour un modèle tout, qui lui-même cas est vraiment fait respect à suivre et respect à continuer, dit bon, mais comment pour nous agir désormais? Et on a pris des niveaux de l'émission, nous pas trop long. Nous connaissons dans la culture haïtienne, dans la croyance religieuse, et toujours à la recherche d'un leader, d'un messie, d'un messager. Par exemple, si c'est chrétien, il n'a pas attendu le retour de Christ pour retirer dans sa lumière. Si c'est vaudouisant, il a toujours un espoir. Dans esprit qui a retiré dans sa lumière. De même, nous, en politique, où je fais ça, c'est que à un moment donné, on a Aristide Vigny comme le sauveur, comme le prophète de la libération. Ou passer toujours en bataille dans la politique haïtienne, au moment, il a choisi Matéli tout. Comme nous essayons tout le monde, vagabond, non, nous essayons tout le monde, mon accord, mon gros diplôme, en nous essayer, on vagabond. Toujours gagner, on espoir d'un leader pour qui vienne retirer Haïti dans sa liée en fonction de culture, de réalité religieuse. Nous, est-ce que Konya, le leader, nous gagnons, c'est qui finit comme le sauveur. Non, en tant que technicien et dans ce qu'on est dans le développement pays, est-ce qu'un pays qui a fait face à une série de défis, est-ce que c'est un leader, un messager, un sauveur, ou encore c'est un leadership collectif par rapport à l'ensemble des défis qu'un pays gagne pour aborder les défis que le pays a renforcés, a rencontrés? Et comment on voit ça au même? Bon, et nous toujours y a des phénomènes comme ça. Nous avons des phénomènes Aristide, nous avons des phénomènes et Matéli, nous avons et d'autres phénomènes comme ça, des mondes qui paraissent, nous avons un problème, nous avons approché le développement. Nous avons approché le développement en termes de changement
nous approcher développement en termes de monde qui vient sauver Haïti. C'est comme si nous l'avions dit, approche nous gain de développement son approche religieuse. C'est-à-dire que et moun sa c'est le même sauveur hein? Par exemple Haïti était sauveur et ou gain et chaque fois nous besoin jeter au monde on dit c'est moun sa responsable tout problème pays hein? Nous fait manifestation nous jeter lié et puis qu'on est là nous penser que nous allons résoudre le problème avec l'autre monde qui vient et moun sa va le sauveur. Donc, nous rendons compte politique approche ça pas jamais bah, résultat. La preuve que nous étions toutes levées contre Jovenel. Nous voulions aller jusqu'à ce qu'il nous tue et situation vienne plus grave. Et moi, je pense que le phénomène Guy Philippe là, son phénomène, bon, et, parce que nous désespérés, nous besoin de sauveur pour venir sauver nous et nous pas tenir compte de nos besoins d'équipe moun compétent, nous pas besoin des outsiders. Qui vous vient pour un pays en charge. Or, peut-être que parce que Guy Philippe, c'est un militaire, nous avons besoin d'un monde qui peut venir gommer avec bandits qui pour un pays. Et le fait que aussi, tout y a des doutes que Kenya et au milieu international à Kavini, nous avons cherché ouais, si nous avons eu ce problème de manière interne. Et Guy Philippe, son figure, comme il était en 2004. Il était contribué à pousser Doha ici dehors et nous besoin peut-être pour le pousser Doha Ariel. Mais ce n'est pas ça le besoin. Nous besoin et vraiment une équipe solide en leadership collectif qui peut vraiment, avec des dossiers très sérieux, même là, nous n'avons pas qu'être dans le tiroir, et nous avons regardé pour nous voir si nous avons monté des dossiers et pour nous avons visé 2054 et Jean Nouvel là, année 250e anniversaire de pays nous. Et pour nous, c'est un pays qui lui-même, c'est un pays qui phare du monde. Et pour cela, il faut qu'on gagne un dossier assez sérieux et qui montait et basé sur l'ensemble des dossiers qui étaient là derrière, mais actualisé en fonction de situation actuelle pays. Hein. Et le ça, c'est pas une figure d'un coup Guy Philippe qui a fait ça, c'est tout ce qu'il peut compter lui. Avec des groupes monde comme ça, donc demander vraiment pour ta gagner et tout en prise de conscience au niveau national pour nous résoudre le problème de nous-mêmes et pour nous dire bon, écoutez, nous voilà aller. Parce que le problème, c'est que depuis 3 ans, Jovenel mourir là, 2 ans et quelques, pas gagné aucun et haïtien qui prend conscience de problème haïtien en tant que tel. Tout le monde a goûté pour pouvoir, surtout au niveau politique. Il y a des gens qui ont le pouvoir, mais ils n'ont pas un phénomène. Notre tête, ils n'ont pas rendu ça pas le faire avec le pouvoir. Et là, sans ça, par exemple, je dis hein, là, et Moon qui fait l'actualité dans le pays, c'est Guy Philippe. Et tout le monde attend qu'il y ait une révolution, entre guillemets, parce que les révolutions ne s'annoncent pas. Les révolutions se font. Donc, et au long de la situation là qu'on y a, je dis, hein, et je pense que. Et il semble, pour moi, analyser avec objectivité situation pays, il me semble on jouait que vraiment, on bah, sérieux. Bon, peut-être que Caron Mira qui fait, et si Caron Mira qui fait, nous sommes bien contents, comme nous-mêmes. Nous avons essayé d'analyser à partir de changements pour arriver dans le développement pays, hein, mais nous tombons dans le même tard, tout haïtien. Nous avons un miracle. Et bon, peut-être que Philippe, ce miracle-là, mais en attendant, bon. Si nous voulons contempler 2054, vraiment, il faut que nous pensions sérieusement pour nous garder. Si nous voulons Haïti vraiment, faire d'Haïti un pays et phare du monde, un pays modèle de démocratie solidaire qui réduit l'écart entre riches et pauvres, mais il y a 2 étapes pour nous suivre. Une étape, c'est qu'il faut nous battre tête, nous manger d'abord. Et deuxième étape, là, c'est pour nous garder. En fonction de tout ça qui vient d'abord, il y a tout dossier qui est disponible pour nous, ouais, c'est nos cas, ouais, c'est nos cas, faire Haïti un pays émergent et à la manière de la Scandinavie en 2042. Donc, tout ça, on travaille depuis jeudi, hein, dans pile le monde qui travaille ce dossier, ça, yo, mais c'est des groupes privés qui m'ont senti au niveau l'État gagner, m'a parlé au niveau gouvernement, une prise de conscience pour le travail sur l'avenir au pays. Hein. Et parce que tout le monde a géré le présent et tout le monde a regardé ouais, qui s'est fait tout de suite pour aller pour organiser des élections et pour des gens qui sont sous pouvoir, sous même cadavre qu'il a. Bon, en tout cas.
Moi-même, c'est comme ça, moi, je pense que l'important, Et c'est ça nous qu'on disait. continuons à réfléchir. C'est ça qu'on disait. Et dans la gestion anti-journal là, en pile bataille, manifestation de l'autre pays, mais on m'a demandé, est-ce que vous avez réfléchi sur l'ensemble de problèmes pays et qui approche, qui méthodologie il va utiliser là où il est dans le pouvoir pour résoudre. Dans le pays, il y a un problème économique, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de santé, il y a un problème d'infrastructure, ou un problème de communication, ou un problème de route, ou un problème de lumière. Donc, pour résoudre le problème, ça y est, ou un problème environnemental, il n'y a pas fait par un prophète, il n'y a fait par une équipe compétente dans la société. Il y en a qui sont en économie, et bien, groupe nous a acheté en économie, qui sont en sociologie, qui sont en éducation, qui sont en infrastructure, et dans tout l'autre domaine qui dit, en nous chita pour nous établir un plan. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a parlé de 2054. 2054, pas qu'à faire la manifestation en France, qu'à débriser. 2054, pas qu'à faire dans le pays loc. 2054, qu'à faire dans la réflexion, dans le côté nous entendre d'abord, pour nous chiter ensemble. Et puis nous garder tous les enjeux qui gagnent, tous les problèmes, les défis, comment nous allons résoudre, nous allons inspirer de l'autre pays qui gagne, même défi, ça, qui méthodologie tu utiliser, qui moyens d'utiliser, qui moyens nous disposer, qui ressources humaines nous gagnent, et puis nous dit, nous allons aller sous aborder des problèmes dans l'immédiat, dans le moyen terme et le long terme. C'est ça, nous parler de 2054. La prophétie pas marché dans le cadre de développement au pays. Le développement sont l'autre bagaille. Il demande des réflexions. C'est pour ça que dans un pays qui parle de développement, l'université joue un gros rôle là-dedans. Et en dans la structure de l'État, il y a des structures de réflexion, il y a des structures de décision qui prennent grain de monde. C'est ensemble de monde lié. C'est pour ça nous avons besoin, première, c'est entendre en tant société hein, qui côté nous voulons en 2054. Est-ce que nous avons pris la même méthode que nous avons près de 40 ans, même méthode, nous avons fait manifestation, lever contre l'autre remplacé. Et le problème est plus grave. Nous-mêmes, nous croyons nos leadership collectif. Côté un groupe de monde dans le pays qui connaît appartenir à pays. L'appartenance est fondamentale. Et nous connaît une bonne responsabilité, puis nous travaillons ensemble et tout l'autre moyen qui m'a mis ensemble, ressources humaines, compétences, etc., qui permettent pays à sortir côté l'IA. Parce que malade là, il est grave. Un seul docteur pas qu'à jouer un résultat pour lui. Mais ensemble de docteurs dans différentes spécialisations et qui sont ensemble capoter meilleure solution. Jean-Aubert, 2054, qui, en peu de mots, qui côté d'armée pays. Bon, j'ai entendu déjà, parce que 2054, son bar n'a pas répété depuis, n'a fait émission qui est l'horizon 2054 là. Donc, c'est fait d'Haïti, un pays phare du monde, un pays qui a une démocratie solidaire et puis qui réduit les cas entre riches et pauvres. C'est ça nos visées en 2054. Nous parlons des étapes, dans un premier temps, nous chercher à tête nous manger. Et pour ne pas dépendre de monde, à cause de tout problème, nous finissons le canal massacre, monter nous là, et puis faire tu qui te dans et de frontières, nous, et ça représentait. Nous, quand ça COVID bas, nous, comme problème, nous trois dépendants de l'extérieur pour manger la caille, nous. Donc, par conséquent, faut que nous axer développement, nous, pour nous chercher, pour nous, si nous axer développement sur ça, la sécurité alimentaire, nous ferons un plan de développement axé sur la sécurité alimentaire dans un premier temps, qui permettent nous vraiment, bah, peut-être nous manger. Et dans un second temps, à partir de tout de document l'ONU, etc., et qui développement durable pour nous, si nous sommes capables, et en 2040, de gagner ça, un pays et qui ont émergence. Et à la manière de la Scandinavie, des modèles qui existaient déjà, qui baillent des résultats. Et puis nous-mêmes, nous avons suivi, nous avons payé des stratégies. Par exemple, le Rwanda, en 20 ans, et avec un homme fort, arrivé à changer un paquet de bagailles. Nous-mêmes, nous avons copié sur Mounzaro pour nous faire ça en 2042. Donc, il y a des éléments qu'on a fait, mais bon. Mais il faut commencer aujourd'hui. Hein. Et aujourd'hui, ça a dit que. Politiciens, nous, faut t'as dit bon, nous-mêmes tout. Et Jean-Pierre Aléa, est-ce que nous avons pensé à propre, peut-être pas nous? Moi, je reste au pouvoir
Et l'autre, même Nabdou, comme ça, autre toi que je m'y mette. Donc, dans ce cas-là, je pense que et nous avons une chance pour nous sortir, mais il faut nous laisser par nous-mêmes dans le sortir, parce que je roman international avait aidé nous sortir, parce que eux pas une volonté vraie pour aider nous sortir dans ça. En tout cas, moi, je dis tout le monde, et j'ai l'âme crampée, je vais aller plus loin, et je dis à la prochaine Non, sur cette chaîne. tout ça, je vais vous dire là, il besoin de stabilité politique. Il faut apprendre et respecter l'échéance électorale. Il faut apprendre à mettre des structures qui vous permettent nos systèmes démocratiques, pays à stable. Tout ça, je vais dire, tout espoir ça, l'échita dans efforts pour nous faire pour mettre un système de justice pour nous combattre. Impunité et corruption et banditisme. Et s'il arrive à faire ça, eh bien, tout ça, je vous dis là, toute vision est possible. Merci, à la prochaine.